Salut à tous, salut à toutes. Qui poursuivre le rythme imposé par le leader Yengen Sport, Nejeu défait hier, Tiga Sport exempt. C'est peut-être Cougnet qui sera à l'issue de cette 10e journée de Super League le dauphin du leader nordiste. Salut à tous, salut à toutes, salut John. Bonjour Romain. Donc on se retrouve ici au stade Nouma Dele donc pour cette première rencontre diffusée du jour sur les antennes. C'est devenu une habitude de la FCF TV Web. Premier match donc de la journée de ce dimanche. Cougnet contre Poignimier. John, d'un côté Cougnet qui, je le disais, peut essayer de recoller, tenter de recoller au leader Yengen. Et puis de l'autre, Poignimier qui est la lanterne rouge et qui voudra, eh bien, en cas de victoire, qui pourra en tout cas essayer de sortir de la zone rouge. Ouais, dans tous les cas, les deux équipes sont en recherche de points. Cougnet qui va essayer, vu au résultat d'hier de Nejeu qui s'est incliné face à Poignimier Sport, qui leur permet, leur donne une chance de pouvoir. Comme tu le disais tout à l'heure, Romain, recoller Yengen qui est pour son tête pour l'instant là, et Tiga Sport exemple. Et bah, cette équipe de Poignimier aussi qui est à la recherche de son premier succès, sa première victoire. On va en parler, c'est vrai que Poignimier qui était un peu dans le dur, qui a entre temps bien changé d'entraîneur puisque Patrice Schmid ne sera plus à la tête de cette équipe. On va y venir, on va tout d'abord aussi voir les résultats d'hier, avec, je le disais, un résultat très important dans le derby des îles, le derby de l'IFU. Puisque donc Juan Onosport a créé la surprise, la sensation en s'imposant face à Nejeu de Buzyn. C'était forcément donc un résultat très important pour l'équipe de Juan Ono. On voit également que Yengen Sport s'est imposé nettement dans le derby nordiste face à la JS Baco 6 buts à 1. Mondor à AS Magenta qui a fini sur un score de parité 2 buts partout. Et puis l'Horizon Passau qui a été chercher aussi son premier succès sur son terrain face à Dombea 2-1. Alors c'est vrai que John, on pourra se dire que Yengen fait la bande d'opération du jour, mais Tiga reste quand même avec un match en moins sur le leader et sur les hommes de Félix Tagawa. Oui, ça peut aller très vite avec ces matchs à 4 points. Maintenant, c'est clair qu'avec les résultats que tu viens de nous donner, Yengen Sport est parti sur un rythme difficile à tenir pour les autres équipes. 6 victoires en 6 matchs. Juan Ono, ils auraient pu la semaine dernière, mais bon, Magenta a décidé autrement. Et là, Mondor a réalisé un nul contre Magenta, donc ça a donné un équilibre derrière Yengen, mais Yengen lui trace sa route, comme on dit. Voilà. On le voit au classement d'ailleurs, Yengen Sport à 24 points, donc il met quand même déjà sous pression Tiga Sport qui, je le disais, était exempt, alors que Nejeu forcément fait la mauvaise opération de la journée, de cette 10e journée, en s'inclinant donc hier dans le derby de l'IFO. Puis on le voit en bas du classement, Dombea, Mondor et Poignimier qui ferme la marche. Cougnet qui va donc pouvoir en cas de victoire revenir à 19 points et donc se recaler à la deuxième place derrière donc Yengen. Mais donc il va falloir tout d'abord s'imposer face au Racing Poignimier. On va passer aux compositions des équipes avec John du côté de l'ASK, un 4-4-2 mis en place par François-Louis-Marie, le coach de cette équipe, en compagnie de Kenji Vandegou. Donc on le voit à l'image dans les buts, Julien Doué-Péré qui rentre dans le 11. La défense à 4, Tonkomboué, Vincent Vaquier, Arnaud Ouemama et Martin Cotereux. Les deux récupérateurs, pas de surprise, Doué-Péré et Newere. Un peu plus haut à droite, Narcisse Cotereux. À gauche, Newere, Roberto. Et puis devant, le duo qui tourne et qui fonctionne bien, Jean-Paul Aoudra et Marvin Vandegou. On voit quand même dans cette composition, John, que le noyau dur, cette colonne dorsale, reste stable du côté de Cougnet. Voilà. Donc on va voir là, aujourd'hui, comment ils vont aborder ce match face à RC Poignimier qui est en grande difficulté. On a une bonne attaque. On avait eu une bonne défense au départ de la part de Poignimier, puis les 4 buts qu'ils ont encaissés contre la semaine dernière contre Wetch. Voilà, sur ce score fleuve et match un peu fou, 4 buts partout. 4 buts partout. Oui. Alors que donc on va passer à la composition du Racing de Poignimier qui est donc qui sera coaché aujourd'hui par Alphonse Poidaoué, avec dans les buts Philippe Pondata. Une ligne de 4 avec Edouard Wana 1. À gauche, Yannick Thia dans l'axe, aux côtés d'Alphonse Poitier.
Yannick Thia qui sera le capitaine de cette équipe nordiste. À droite, on retrouve Melvin Chevalier, deux récupérateurs qui seront Henri Goro Atou et Jean-Frémont Outiou. Un peu plus haut, animateur dans l'entrejeu, François Gorowao. À droite, Philibert Outiou. À gauche, Kevin Sagit. Et devant, Francis Poidoui. Donc voilà, c'est cette petite équipe de Pointe-d'Imier qui va tenter aujourd'hui d'essayer de suivre le chemin de toutes les équipes qui sont devant elle. Donc après, Pointe-d'Imier est aujourd'hui avec 4 matchs joués, dont 4 défaites. Elle se retrouve à cette 10e journée de championnat où on l'a fait encore que 6 matchs. Je rappelle, les matchs ont été suspendus ou reportés à cause du Covid-19. Mais c'est clair que Pointe-d'Imier, avec un 25 buts encaissés et un but marqué, va difficilement, justement, sur ce championnat, redresser la barre. Mais en tout cas, il faut faire l'effort de revenir, de ne pas trop perdre le fil dans ce classement-là, parce que ça peut aller vite avec les matchs à 4 points. Mais bon. Oui, puis on va rappeler que la 12e place, hein, donc sera celle barragiste. Et la 13e place, donc le dernier à l'issue des 26 journées de Super League, descendra automatiquement. Voilà l'entrée des deux formations, avec du côté du Racing Pointe-d'Imier ses couleurs traditionnelles jaune et verte, et puis l'AS Cougné également dans ses couleurs traditionnelles rouge et blanc. On espère voir des buts encore et à nouveau John, comme ce fut le cas le week-end dernier. Ah oui, voir des buts c'est bien, mais après quand dans le jeu, si on voit des choses intéressantes, ça aussi c'est encore mieux. Ça, c'est... Forcément, et on sera là donc pour vous analyser ces matchs, John, du mieux qu'on peut en tout cas, et on espère que vous allez passer un bon moment avec la nouveauté du jour. Ça avait été annoncé par la fédération, et bien la présence de ralentis qui vont vous permettre de vivre ces matchs plus confortablement. Ça a été demandé beaucoup sur Facebook. La fédération qui fait l'effort et qui donc essaye de bonifier ces directs vidéo sur le web. Donc on espère de tout cœur pouvoir vous rendre. Aujourd'hui, avec le trio arbitral que l'on voit à l'image, Pélissier au centre, Bertrand Brial, assistant, tout comme M. Éric Pougin. Le protocole d'avant-match avec les deux capitaines, alors ça sera Kevin Sagit, hein, le capitaine côté Pointe-d'Imier, tandis que Vincent Vaquier. Savakier qui, la semaine dernière, a montré, après les 3 buts qu'il avait encaissés face à Wetch dans les 10 premières minutes, une solide défense après durant les 80 minutes qui ont suivi, avec un but encaissé et puis 4 buts marqués. Mais en tout cas, sa sérénité au niveau de la défense a donné confiance à l'attaque. Et ça, c'est très important pour le comportement d'une équipe et la réaction justement des joueurs qui sont sur le terrain. Si on voit que la défense elle est là à maîtriser le match, devant, ça peut être que positif. Il va y avoir, John, avant ce match, une minute de silence en mémoire au papa Geronimo Waiwe, le deuxième gardien de cette équipe de l'AS Cougné. On adresse forcément toutes nos condoléances à la famille et à Geronimo, avec donc cette minute de silence qui va être respectée ici au stade Noumadélé. Voilà,
un bel hommage offert donc à la famille Weiwei. Alors que donc coup d'envoi est imminent. Avant-dernière journée. Pardon, rencontre John de cette 10e journée de Super League. Avec Cougnier, donc qui on le disait, peut faire une bonne opération en ce dimanche 23 mai. Ouais, t'as l'opportunité de vraiment recoller. Ouais, tandis que Yengen, on le disait, effectivement. Je pense qu'ils vont survoler ce championnat. Il enfin, va pas falloir lâcher. C'est vrai qu'il y a aussi des confrontations directes à venir entre Nejiu, Yengen, Tiga Yengen. Voilà un peu les grands favoris au titre cette année. Ouais, pour l'instant, Yengen, 6 matchs, 6 victoires. Il y a Tiga Sport à fin nul contre Wedge. Et qui est donc exempt. Qui perd contre Juan Ono. Allez, c'est parti avec ce coup d'envoi qui est donné avec Philibert Uchu qui touche son premier ballon et qui oriente le jeu à droite vers Melvin Chevalier. Gros Wao. Recherche à nouveau Uchu. Alors, on va voir aussi comment s'organise cette équipe de l'AS Cougnier qui avait été surprise le week-end dernier, c'est le cas de le dire, avec 3 buts encaissés en 10, même pas 10 minutes face à Wedge. Forcément, ils ont dû retravailler peut-être leur préparation mentale d'avant-match. Ah, c'est ça, il faut bien démarrer le match. Après, ils ont démarré comme des diesels, ils sont revenus à 4-4, mais souvent le mieux c'est de penser dès le départ bien et puis finir bien. Donc là on voit qu'il y a un premier corner pour Poindimier. J'espère que ce qui s'est passé la semaine dernière ne sera pas réitéré là sur cette petite action. On verra s'ils ont bien travaillé à l'entraînement. Et donc ce premier coup de pied arrêté excentré avec un mur à deux, ça va être donc forcément sortant. Elle a tombé un joueur du Racing. Conserve le ballon du côté des jaunes et verts. Gros Wao. Bien fait. On retravaille le bloc adverse. Niwere. Et l'intervention de Melvin Chevalier. Bien fait là, avec Cotereux, Narcisse Cotereux. Trouve son numéro 9. Il l'a vu à gauche. Ah. Là, il s'est pas appliqué, mais il l'avait vu. Ah, bien fait. Attention. Dans la profondeur avec Francis Poidoui. Pour l'AS Cougnier. Il va pouvoir se dégager avec son capitaine Vincent Vaquier. Attention. Il faut bien récupérer. Et récupération du capitaine Kevin Sagitt. Et la SK à nouveau en possession de ce ballon. Bien fait avec Newere. Bien joué. Cherche et trouve Vendégou, Mervin Vendégou. Second poteau. La tête de Jean-Paul Aoudra. Bien joué, cette petite paire d'attaquants qui. La Escouillet là qui vient de mettre en danger le portier et la défense. Hier c'est Poignier. On a vu sur ce ralenti de peu.
Melvin Chevalier qui était quand même sur cette action, à protéger son gardien. On a eu le premier ralenti. Ah voilà. Là. La nouveauté qui est arrivée, et on espère pouvoir vous offrir ça. Attention, attention. Toutes les journées filmées. Où ce bon ballon là dans l'axe, belle récupération de Doué Perret. Néwéré. Il va falloir être un peu plus vigilant. Ouais, ça décale. C'est bien, c'est qu'il y a cette envie chez les joueurs de Cougnier de se projeter vers l'avant, mais d'alterner le jeu et vers l'avant. Faire un changement de côté, toujours en avançant. Ouais, long ballon, cherche beaucoup pour l'instant Francis Wadoui. Néwéré avec son pied gauche et l'intervention de Philippe Pondata. Chevalier, long ballon en cloche, très haut, il faut poser le jeu qui est fait et finalement ça sera une sortie de touche avec Roberto Néwéré et encore cette touche longue magnifique avec Marvin Vandégout, le petit crochet, toujours Marvin Vandégout en possession du ballon, le gardien qui est un peu sorti l'aventure, la Pondata. Ouais, il a trop attendu avant de donner son ballon. Ah, ils sont au pressing et au contre-pressing là les hommes de Kenji Vandégout et François Louis-Marie. On le voit, hein, ils essaient de. Les premières lignes d'attaque qui sont d'entrée très agressives et sur l'homme, hein, dans le bon sens bien sûr, mais cadre très vite le porteur de balle jeune. C'est ce qu'ils ont su faire après 10 minutes de jeu contre Wetch. Ça met un peu de temps, mais là il faudrait que ce temps-là ait diminué. C'est à la 6-7e minute. Qui commence à le faire aujourd'hui. Donc c'est un peu mieux que la semaine dernière. Et long ballon. Couverture de Louis-Daniel Doué-Perret. C'est récupéré par le Racing. Là, peut-être une possibilité d'ouvrir la marque. Ah, c'est. Première brèche pour le Racing là. C'est la deuxième ou troisième fois, voire la troisième, hein, il y a des possibilités. Avec le numéro 10, François Gros, wow, la belle frappe et ça fuit le cadre. Là, sur ce genre de situation, l'attaquant pur, il ne va pas chercher à regarder le but. Il sait où est le but, il a pris l'information avant, il prend le ballon, il essaie de se le mettre sur son bon pied, de s'appliquer sur sa frappe. Et il sait où il va la mettre, il sait où est le gardien. Là... L'attaquant a regardé le but, donc il cherchait à savoir où était le but, où était le gardien. Et il n'a pas ajusté sa frappe. Melvin Chevalier qui n'a pu sauver la touche, toujours 0-0. On joue depuis 7 minutes dans cette rencontre. Je le rappelle, l'avant-dernière de cette 10e journée de Super League avec un nouveau ballon vers ce numéro 9 insaisissable. Marvin Vandégout, attention, est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. N'a pas branché, monsieur Pélissier. Il était proche de l'action et on peut repartir côté Poindimier. Et on voit encore des récupérations assez hautes de la SK, mais attention à ne pas se livrer non plus. Quand on voit, ça se projette aussi vite vers l'avant côté Racing. C'était bien parti. Et puis... Là, c'était bien parti. Il y a eu un petit contre favorable et. Ça a permis à justement Poindimier de se rapprocher des 20-25 mètres de la cage de Julien Doué-Perret. Et un coup franc intéressant. Ici, il n'y a pas de vent. Philibert Outhiou. Il fait beau. Ah oui, là, on a des conditions climatiques idéales, contrairement au week-end dernier où il avait beaucoup plu. Et donc, Philibert Outhiou, certainement là au coup franc,
À moins que peut-être Francis Poidouy, qui est juste à côté, tente une frappe sèche vu son positionnement. Et ça va peut-être être ça. Non, c'est Outiou. Bien fait, c'est contré. Contré par le mur. Ah, c'était bien frappé. Ah, t'es bien parti, hein, cette frappe de Philibert Outiou. Et on revoit le bon ralenti. Et heureusement, c'est la tête de Vaquier, il me semble. Non, c'était pas Vaquier en tout cas. Ça a été touché par un homme de base dans le mur. C'est bien tiré ça au second poteau. La volée. Oh, c'est... Et c'est écrasé. Alors Racing qui fait une belle entame. Voilà, les 10 premières minutes. Après, on va voir ce qui va se passer au-delà des 10 minutes. Et on relance tranquillement avec Vincent Vaquier. Manque un peu de solution là dans l'axe. On a un boulevard au milieu. Ouais, bien fait ça. Ouh, attention, c'est passe latérale là. Et Marvin Vendégou, hein, qui est en pleine forme, hein, vraiment. Ce début de championnat fait forte impression, Marvin Vendégou. Mais c'est bien aussi de reposer, hein, John, le jeu comme ça, repartir, reconstruire. Quelque chose, mais si c'est pour balancer, bon. En tout cas, c'est un beau ballon là. C'est un beau ballon avec peut-être ballon, pourquoi pas l'ouverture du score de point 10 000. La frappe, c'était celle de Jean-Frémont Outiou et la parade de Julien Doué-Péré. Attention à ces ballons dans la profondeur, c'est ce qui les a causé les trois buts. On revoit, on revoit l'action là. Cette frappe et la parade réflexe de Julien Doué-Péré décisif. Pour le coup, on voit ces 10 premières minutes où Cougnier, on a vu contre Ice Wedge, là encore on le voit, ils mettent du temps à se mettre dans le match, à rentrer dans le match directement. Attention, ça traîne dans la surface, mais à nouveau le capitaine Vaquier. Je parle défensivement, je parle vraiment défensivement pour l'Ice Cougnier. Grosse occasion pour Racing. Et on tente à nouveau avec un ballon à nouveau pour Outiou. La frappe d'Outiou. Et voilà, et ça fait trois chaudes alertes sur le but de Doué-Péré. Des occasions là, attention, parce que ça va aller vite avec les deux là. Ah, c'est là, va falloir être très très vigilant côté nordiste. C'est toujours cerné, hein, ce duo qui va très très vite, hein, en face de la SK, Vendégou à Outra. Ouais, il bouge pas, il reste devant là, on le voit pas à l'écran, mais là. Ouais, ils avaient justement essayé de combiner, mais c'est bien défendu de la part de Poitiers. Et on revoit cette frappe de François Gorowao. Et puis cette frappe enchaînée de Jean-Frémont Outiou, décidément. Par deux fois, elle a failli ouvrir le score, mais Doué-Péré était bien présent, le gardien de l'AS Cougnier. Percussion sur le côté là de Cotereux. Pardon, c'était Théophile Néouéré qui était aux avant-postes. Allez, Wena. Pied gauche, trouvé dans l'axe, un relais avec maintenant le capitaine Kevin s'agite. Attention, il est tout seul dans l'axe. Tout seul dans l'axe, il est tout seul avec un ballon un peu fuyant, dommage. C'est là qu'il la mette pas au sol. C'est clair, il faut favoriser le jeu au sol. On s'habitue. S'habituant à jouer tout le temps dans les airs. Après, jeu simple, efficace. Comportement, ouais, c'est vrai que la passe au sol, c'est la meilleure. Finalement, il est la plus difficile à faire et à la base du football. C'est ça. Et c'est parce que, oui, voilà, se compliquer
on s'habitue à faire les mauvais gestes. Donc après, on les reproduit automatiquement en match, mais on s'habitue à l'entraînement, de s'amuser, de rigoler. On peut rigoler en s'appliquant. Voilà, on a encore voulu donner une balle levée et qui quitte le sol. Alors qu'une balle au sol en face, on aurait pu donner à... Dans l'axe. Dans l'axe. Néwere. Et voilà, Néwere qui était là. Allez, on arrive au premier quart d'heure de jeu. On est en direct sur la FCF TV Web. Vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à nous suivre avec à l'image Vendégou qui centre. Premier corner. Marvin Vendégou qui fait un bon premier quart d'heure et très actif sur le front de l'attaque. En tout cas, il y a eu un bon appel. Un bon appel de la part de, on revoit ce de centre. Jean-Paul Aoudja là, qui plonge au premier poteau, là, la zone dangereuse entre la pointe des 6 mètres et le poteau du gardien, le premier poteau. Là, c'est difficile pour un gardien de sortir dans cette zone. Allez, corner, ça va être rentrant avec Néwere, c'est bien tiré. Oh là là, il y a une tentative aérienne, on va dire. Et la SK qui reprend possession de ce ballon. Allez, faut décaler là-bas, c'est bien fait. Retrouver peut-être l'axe, voilà, il le cherchait justement, l'axe, mais il est contré, Vincent Vaquier. Attention, et le contre, et le contre, parce qu'il est rapide, Francis Poidouy. Il est un peu tout seul, mais avec sa vivacité, ça passe dans cette surface de réparation. Ouh, il est passé. Petit ballon retrait, ce ballon qui traîne. Incroyable situation. c'est dommage. Et il est très, très vif, ce Francis Poidouy. Ouais. C'est après, c'est prise d'information. Ah, il aurait dû peut-être décaler en retrait, là, on va revoir. Bah, avant ce geste, là, de cette belle roulette de Gorowao, mais c'est vrai que sur... Il y a... Même si on est à la 15e minute, il a fait une course de plus de 50 mètres, ouais, 60 mètres. Ah, on revoit. Là, on l'accélération, il prend Wemama de vitesse et de vivacité. Et c'est là, peut-être qu'il peut essayer de mettre ce ballon en retrait, mais sous la pression aussi du gardien Julien Doué-Péré, il n'arrive pas à... Mais quand il décide de pousser le ballon à droite, il ne savait pas ce qu'il allait faire après. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on va faire après avec le ballon. Quand on demande le ballon, c'est on sait pourquoi on demande le ballon. C'est parce qu'on sait qu'on va la rendre. On sait où on va jouer, on sait comment on va continuer d'animer ce jeu. Et le coup franc, très intéressant pour à nouveau Outiou. Où Kevin s'agit. Ça va être Outiou certainement. Outiou, ça passe à travers le mur et la parade de Doué-Péré. Il est en train de s'ajuster notre ami Philibert Outiou là sur les coups francs. Et là le mur qui s'était disloqué. Alors là s'il y a but, le gardien, je pense qu'il peut vraiment sermonner ces 4 gars ou 5 gars qui étaient dans le mur là. Le mur à la parisienne. On n'a pas le droit. Ah ben si le ballon passe à travers le mur, les fautifs sont les joueurs qui étaient dans le mur, ça doit pas passer, il faut pas se tourner, il faut rester face au ballon. Quitte à prendre le ballon dans la figure. Et on revoit. Voilà, c'est complètement disloqué le mur et à partir du moment où il y a un des quatre qui est sorti un peu de... C'est un peu désintégré, ça offre des solutions et heureusement Doué-Péré. Il était sur la trajectoire. On renvoie. Intervention de Vaquier. Et bien joué pour Data. On rappelle, restez bien avec nous, puisqu'à 16h30, on va suivre cette action avec Néwere, Roberto Néwere. Roberto Néwere, le petit piqué et la sauvetage sur sa ligne. Quelle erreur. Et heureusement Yannick Thia qui veillait au grain ensuite, mais bel arrêt aussi de Pondata, l'erreur qui aurait pu être fatale là. Ça c'est des erreurs vraiment dangereuses où tout le monde se prépare à déclencher une attaque là en bas. Et la mauvaise passe, elle a profité. Il a tenté le petit piqué et bel arrêt de Pondata. Ah, et là,
Il ferme bien l'angle de frappe du joueur. Et la main, le bras qui était resté levé hein, pour essayer d'amplifier la, sa surface corporelle, le gardien. Ah. Monsieur Pélissier qui intervient. Allez, c'est rentrant. Ça va être rentrant en tout cas ce corner. Petit coup de pied de coin donc. On va le tirer. Ouchou à la fermeture et ça repart pour le RCP. Ah, belle percussion là, allez, faut y aller, faut aller fixer, faut aller fixer. 2 contre 2. Oh, dommage. Il est encore tout seul. Gros Wao. Très intéressant ce joueur au début. Plus vite, les joueurs de cette rencontre. Pugnier, très très présent, François Gros Wao, très disponible, numéro 10 de, du Racing. Ah, il y a de la qualité dans cette équipe. Ah ouais, ils essayent de s'appliquer, de bien jouer. Après, ça ne leur sourit pas toujours, mais en tout cas, il y a cette attention-là. D'essayer de faire du jeu, de se déplacer correctement. Et de jouer, de ne pas s'énerver. Oui, après, faut rappeler aussi un. Ce début de championnat très très compliqué pour le Racing avec cette défaite 13-0 ouais. 13, avec 13 buts encaissés face à l'Ipswich. Marvin Vendégout encore lui. Ouh, belle bataille là avec Poitiers. Bien défendu de la part de Alphonse Poitier. Frappe. Il était au deuxième ballon, Théophile Néhouéré. Ballon important là, les deuxièmes ballons. Ouais, que je disais, John, restez bien avec nous hein, vers 16h23 à peu près. Pour le coup d'envoi 16h30. Beau derby entre Wetch et Lossi. Lossi qui pourrait aussi faire une belle opération au niveau comptable en cas de victoire. Et puis, la Wetch qui va tenter de revenir sur les 5 premières places. Les problèmes de la dernière fois, Vincent Vaquier et Wemama. Là, Wemama était complètement décroché. Vaquier est parti. Second poteau. Il y a de l'espace pour Cotereux, mais bon retour de Edouard Wena. Hein. Le public qui commence tout doucement à arriver au stade. On revoit ce ballon qui a été adressé à Narcisse Cotereux au second poteau. Bien défendu. De la part de la défense de Poindimi. La tête et l'ouverture du score. C'est Jean-Paul Aoudra qui décidément n'en finit plus de marquer les esprits. La recrue justement du Racing Poindimi. Désormais du côté de l'AS Cougnier. Eh bien, il vient encore de frapper. Sur corner et ça fait 1-0. John, on joue depuis 22 minutes. On vient, on voit le but là. Ça se ralentit. L'ouverture du score de geste parfait, belle détente. But de Jean-Paul Aoudra. Un peu de laxisme pour le coup, John. Du défensif de la part de Rodrigo. C'est le but. Et ça fait 1-0. L'AS Cougnier qui prend les devants. Et Jean-Paul Aoudra qui vient d'inscrire là son 5e but de la saison. Attention avec pourquoi pas le doublé qui était tout proche. Quel arrêt encore, il fait un sacré match Philippe Pondata. Là vraiment, attention, le Racing n'a pas. Il faut très vite réagir, surtout défensivement. Ils ont fait 25 à peu près bonnes minutes. Il faut rester concentré malgré cette ouverture. Ça joue bien à côté Cougnier avec Cotereux, Narcisse Cotereux. Ballon contré.
Ouais. Il aurait dû sentir. Sentir que le ballon allait. Attends, on va l'actionner. Hop. Et on voit donc Aoudra qui était vraiment tout proche du doublé. Ouais. Et encore, il a bien jailli hein, dans les pieds Philippe Pondata. Très proche. T'as... Liberucci, ça c'est un bon ballon. Oh là là, à chaque fois, hein, c'est vrai que c'est limite limite, mais il est bien revenu là. Arnaud Wemama. Newere, Roberto Newere. Fait un petit festival, la talonnade bien fait. Centre dans la foulée, attention, il s'est déchiré. Mondata, oh, il rate sa frappe, heureusement, vent debout. Il y a un peu le feu là, faut ce que je disais, ouais, John. Faut... Il panique là, ouais. Il faut qu'il repose le jeu, Pandimier, reprendre un peu les esprits, comme on dit, et puis... Prendre le temps, comme ils ont fait Cougnier la dernière fois, il fallait qu'ils ont pris 3-0. On voit le petit festival et cette talonnade de Roberto Newere, le centre enchaîné, et heureusement... Ouais, il ne se parle pas, il se gêne. Mauvaise communication. Ouais, mauvaise communication, et puis là, on est goût qui est surpris. Wow. Bien fait. Allez, faut écarter, faut écarter. Ah oui. Tentative de frappe de loin. Le latéral, là, Wena, ils prennent bien le couloir. Élargir le jeu. Permettra d'étirer un peu le bloc adverse. John, pour l'instant, envoie un match équilibré, mais. C'est vrai que l'ouverture du score. C'est par intermittence. Un coup, ouais, c'est ouais. Poindimier, un coup, c'est Cougnier. Entre la 6e et la 15e minute, je crois que c'est Cougnier qui. Enfin, c'est Poindimier, puis après, puis là, depuis. C'est Cougnier qui prend le jeu à son compte. Et qui... ouais, après, il y a pas mal d'erreurs. Hein. De la défense de Poindimier. Sur le but, sur les actions qui ont été tout à l'heure, on a vu. C'est Jean-Paul Aoudja là, qui était en un contre un. Ouais, voilà. Qui était à deux doigts de. D'aggraver le score. Donc c'est clair que c'est partagé pour l'instant. Après, au niveau de la réussite, du réalisme, bah, c'est Cougnier. Allez, on va en profiter un peu pour avec ce temps mort pour vous annoncer la question du jour avec donc ce jeu SMS qui, comme le week-end dernier, sera lancé sur toutes les journées de championnat diffusé. Donc envoyez 35-20 par SMS pour tenter de gagner un maillot de la sélection A de Calédonie. On va suivre quand même cette action où un bon et un bon. Il y aura deux gagnants de 10 000 francs de corail. On va suivre cette action parce que Newere là, dans la surface, la frappe de Newere, impeccable. Donc à gagner le jeu, enfin le maillot de la sélection A de Nouvelle-Calédonie et un bon d'achat de 10 000 francs à utiliser à Corail Pont des Français. Avec cette question du jour, quelle équipe calédonienne a été sacrée championne d'Océanie en 2019? Tapez 1, donc envoyez bien le numéro 1 pour l'AS Magenta ou le numéro 2, envoyez 2 donc par SMS au 35-20 pour Yengen Sport. Donc il y aura deux gagnants à nouveau ce week-end. Donc n'hésitez pas à jouer au 35-20, on a eu deux gagnants nordistes le week-end dernier, John. Non, on n'a pas le droit de jouer. Ah bah si, tu peux jouer, hein. Si t'as le temps, entre tes analyses. Donc 35-20, hein. 233 francs, TTC, le SMS, envoyez 1 ou envoyez 2. 1 pour l'AS Magenta, 2 pour Yengen Sport. Quelle équipe calédonienne a été sacrée championne d'Océanie en 2019? La question qui va être également annoncée au stade, Nouma Dele avec deux gagnants à l'issue de la journée et à l'issue du deuxième match du jour diffusé sur les antennes de la FCF TV Web. À
Ah, vous avez été 250 à jouer le week-end dernier quand même. Donc voilà. Hein. On va essayer d'augmenter les lots par la suite. Et donc retour en jeu, toujours donc ce score de 1-0 pour l'ASK. Cette ouverture du score de Jean-Paul Aoudra. Je le disais, on est à sa cinquième réalisation de la saison. Cotoreux, Narcisse Cotoreux avec Marvin Vandégout. On sent certainement à venir avec au second poteau l'arrivée de Roberto Neuere. Il ne faut pas perdre la bien fait, superbe, le Daniel Doué-Péré. Et il redécale là-bas à côté gauche. Ouh, il est tout seul à Oudra. Superbe contrôle orienté, la frappe enchaînée. Quel geste là. Frappé en reculant. En confiance. Et voilà. Après, peut-être qu'il aurait pu jouer avec. Avec le ballon qui lui passe derrière la jambe d'appui. Voilà. Et la frappe enchaînée. Il est déséquilibré, il tombe. Il n'a pas pu la redresser. Il faut se parler. Vaquier. Oui, plein de vivacité hein, cet attaquant. Bien fait, la frappe enchaînée, dommage, c'est écrasé, ouais, mais on voit de belles choses. C'est vraiment dans la finition que ça pêche un peu du côté de Point d'Imier. Alors, je parlais de la cinquième réalisation hein, de Jean-Paul Aoudra, qu'on voit là. Petite talonnade à nouveau. Merci. Et donc au ralenti à Ben qui est derrière tout ça. Et donc à toute l'équipe de production télé. Qui nous offre donc aujourd'hui via et grâce à la fédération. Donc c'est beau ralenti. Uchu. Voilà. Le rock va qui. Ah, il est, en 1 contre 1, il est difficile à passer hein, quand même, Vincent. Ouais, c'est vrai que... ah, il faut qu'il remonte ouais, le bloc. Un blessé là. C'est Kevin Sajid qui ouais. est resté à terre. C'est le deuxième là qui se plaint d'une douleur au genou. Ouais, c'est reparti pour Padoui. C'est Padoui. On sert ce ballon. Oh, bien fait ça. Il est encore seul. Uchu. Et dommage. Ouais, il avait la solution de Francis Padoui. Il a préféré faire sa petite louche. On va saluer la performance hier de notamment Antoine Ruini avec Yengen Sport, auteur d'un triplé. Ah bah, il n'arrête plus, il a combien 10 buts, s'envole, hein, classement débuteur. Quel joueur, cet ami, on le salue. Et puis également après, Nelson. C'est pas une surprise. Ouais, Nelson Kai également, Ivan Bami, Joris Gorandia oui, qui ont marqué pour Yengen Sport, qui est donc pour l'instant seul leader. Après 6 journées disputées depuis la reprise. Sacré joueur hein, ce Padoui. Regardez un peu toute la vivacité, la percussion et la technicité. Vraiment intéressant ce Francis Padoui. Et vu qu'il est. Il est petit, ouais, centre de gravité bas. Donc. Les prises d'appui sont. La foulée est courte et ça met vraiment en difficulté l'axe central. Il y a plus de facilité à changer de rythme, à changer d'orientation rapidement qu'un grand. Quoi. Avec une bonne technique vraiment. Voilà. Il vous crée juste la petite force dans la frappe. Attention. Dans le mur, c'est à retirer. Heureusement pour lui. Deuxième chance pour Kevin Sagui. Ah,
Le vent qui s'est levé un petit peu, il peut en tenir compte. Frappe, ça passe au-dessus. Qui se remplit petit à petit aussi. Ouais, comme dimanche dernier, ça fait plaisir, on voit encore du monde aujourd'hui au stade. Malgré que ce soit férié demain. Attention. Attention. Bien couvert. Coteau de la tête. Et on se dégage côté point limier. Et le retour de Martin. Alors, du grabuge juste en face de l'arbitre. Logiquement sifflé. On voit. Encore un magnifique geste là de Roberto Neuere. Ouais, c'est plein de techniques là du côté de Roberto Neuere, mais. C'est un secret de Polichinelle, hein. C'est vrai que c'est un très très bon joueur, Roberto Neuere. Forcément un des hommes à surveiller pour les adversaires de Cougny cette saison à nouveau. Facile techniquement, comme on dit. Et efficace, et... non, c'est une équipe intéressante vraiment, John Cougny. Dans ses projections vers l'avant, oula, l'arbitre après, c'est vrai que au cœur du jeu. Ouais. Là, il va y avoir normalement balle à terre, enfin ballon rendu à l'équipe qui est en possession. On voit en sandwich. Et donc que ça, il n'y a plus d'entre deux, hein, John. Ce genre de situation normalement, et c'est le ballon rendu à l'équipe qui est en possession du ballon, à savoir la Esconi, voilà qui est fait. Allez, Roberto Neuere, centre dans la foulée, heureusement c'était bien couvert de la part d'Edouard Neuena. Et il reste un peu moins de 10 minutes dans cette première période. John, une rencontre pour l'instant intéressante. Il y a du rythme, il y a de l'engagement aussi. Non, mais là, vraiment, Cougny a pris le match en main. Enfin, au niveau du jeu, hein, je veux dire, dans les déplacements, on voit un Louis Daniel qui est vraiment présent, qui assure la liaison entre les milieux et les attaquants. Qui, sur les deuxièmes ballons, il est là, il les récupère. Oui, mais attention, parce que pour l'instant... De l'autre côté, Uchiu qui peut tenter son tir tendu, mais il était en jeu. On a, c'est vrai, cette paire d'Ouépéré Théophile Néouré qui est intéressante aussi à la récupération, comme tu le disais, John. Et comme les deux attaquants ils sont toujours proches des défenseurs de Pointe-Dimier, donc la navette de la part des quatre milieux, là, c'est énorme à partir, défendre, revenir, attaquer dès que le ballon est balancé. Box to box. Et ils arrivent à bien le conserver, les deux attaquants devant, et puis derrière, bah, c'est difficile après de garder ce rythme. Et il compense bien ça, le Daniel. Allez, Martin Cotereux, intervention d'Alphonse Poitier. Petit ballon là vers Sagi. Bien fait, le petit crochet, le petit râteau dans la foulée, la faute obtenue par le capitaine. Passage en force, la casquette. Et on voit de beaux gestes techniques aujourd'hui. Aujourd'hui. Là, on voit, de rien, ce petit râteau tenter un petit pont là. Tout à l'heure, Francis Pondui qui a fait un petit double contact. Après, un râteau de la part de Neuere, je crois, Théophile. Parce que le vent il s'élève de plus en plus. Et là il est en train de dire ses points d'Ibier. Voilà.
C'est bien tiré, mais il y a Vaquier. Il vient couper cette trajectoire. Ah, la fermeture. À nouveau un coup de pied de coin. Ouais, ils vont jouer vite, il faut être attentif, avec Uchiu, là, il a tout le temps maintenant d'ajuster son centre, au second poteau, la tête de Melvin Chevalier. C'est là où il faut être vigilant, John, il faut rester concentré. Là, il a côté Cougny, on doit réagir plus vite. Il a vraiment... Et là, il aurait même pu, je pensais qu'il allait fixer. Je pensais qu'il allait frapper, mais... frapper fort, vu que tout le monde est devant le but. Il suffit qu'il la relâche devant, qu'il la repousse mal. Et... il avait le vent avec lui. Alors voilà, voilà les distances entre les défenseurs et le milieu. Et c'est le 6 vraiment qui gère cette distance-là. Comment il s'appelle ? Louis Daniel qui va, voilà, on le voit là, à l'image. Il est au milieu. Là. Il va assurer la liaison entre ses milieux et ses attaquants. Ça permet. Du coup, à Vendégou d'obtenir ce ballon dans cette surface de réparation. Conserve Vendégou. Voilà, encore là, il récupère. Et la frappe, justement, on en parlait de Louis Daniel. Il essaie de garder cette distance qui. C'est vraiment la jonction. Hein, ouais, exactement, exactement. Parce que ces trois milieux, bah, ils sont portés vers l'avant pour donner un soutien à comment ils s'appellent, là, les deux attaquants Vendégou et Raouja qui sont vraiment devant. Eux, ils sont sur la ligne de défense de Point d'Imier. Ils défendent peu. Ou quand le ballon est dans leur zone. Là on voit que c'est les trois. Voilà, on va les voir. Rouao, bien fait avec Uchiu. Trouve Wena. Et il est là encore à la récupération, Théophile Néwéré. C'est toujours ce jeu très direct vers l'avant. Pour trouver donc Vendégou et Aoudra. Aller vite vers l'avant, il faut que les milieux soient là pour soutenir cette charnière offensive là, entre Vendégou et Aoudra. Un joueur de Percé Point d'Imier qui est au sol. Et on appelle les soigneurs. Donc je vais rappeler la question du jour. Hein. Donc 35-20, le chiffre à retenir pour tenter de gagner le maillot de la sélection A de Calédonie. Et également en jeu un bon d'achat de 10 000 francs à pouvoir utiliser au Corail Pont des Français. On salue notre partenaire Corail qui soutient le football calédonien, également les autres partenaires, le RSMA, l'OPT, Shell Pacifique, tourné vers la Super League, et puis les jeunes pour nous aider et nous péter également à développer le football calédonien et nous permettre aussi bien de suivre au maximum du possible le football dans son ensemble. Donc 35-20, la question du jour. Quelle équipe calédonienne a été championne, sacrée championne d'Océanie en 2019? Tapez 1 AS Magenta, envoyez 1 AS Magenta, envoyez 2 pour Yann Gain Sport. La frappe de Cotereux, c'est contré. Et encore là, il est encore là, Alphonse Poitier. C'est lui qui, dans cette défense, était un peu omniprésent sur cette première période, heureusement. Attention, encore une fois, Vaquier. Il a vraiment pris du recul, Vaquier. Avec Poidoui, centre. Le problème, c'est que s'il recule comme ça, Vincent, il faut que ça. Il n'y ait pas trop d'écart non plus avec les trois autres sur sa ligne. Là, on l'a vu, il y avait plus de 10 mètres, 15 mètres. C'est énorme. Arrêté, enfin encore coup franc. Pareil, il a le vent avec lui là.
plongeant, fort, dans le but. Frappe, prise de balle impeccable. Et doué Perret. Encore un long ballon, on cherche à nouveau Francis Poidouy. C'est bien fait là de la part d'Arnaud Ouemama. Uchiu. Chevalier, bien fait. Le vent. Ah, mine de rien, hein, tu sais. Il se lève. Bien fait ça, cette. Bien sorti, ça de la part de la phase de construction, mais intervention de Vaquier, ça repart en contre. Heureusement, un beau retour. Elle disait mine de rien, on aurait pu. Voilà, là, ils ont regardé le staff de Bougnier, mais sur cette action-là, le Louis Daniel est resté. Il y avait un 3 contre 4. Il a assuré cette liaison et il a permis à ses milieux de revenir pour défendre. Donc, il a l'attaque de Point Dimier. Il a essayé de la contrôler avec ses autres joueurs, ses quatre autres défenseurs. C'est bien ce qu'ils ont fait. Mais il fallait ce milieu. S'il n'y a pas ce milieu, il y a un boulevard. Un seul, ça suffit. Voilà, ça a permis à Vincent Vaquier de récupérer parce que tous ces milieux sont redescendus. On a permis de récupérer ce ballon. Oui. Yannick Thia qui allonge et on en restera là pour cette première période. Et c'est pour l'instant Cougny donc qui mène. Un but à zéro avec cette ouverture du score signée Jean-Paul Aoudra à la 22e. Voilà Uchiu et les siens qui vont devoir donc. C'est déjà pas mal, 1-0. Ouais, non, ils ont fait une belle prestation, les joueurs du Racing, mais il va falloir malgré tout aller chercher des solutions pour dans cette seconde période, aller égaliser, pourquoi pas revenir dans cette partie avec un succès. En tout cas, Cougny pour l'instant. Fait la bonne opération, on se retrouve juste après la pause, à tout de suite. Dis-moi, pour l'anniversaire de Tommy, il fait comme d'hab, bonbon soda. Bah oui, mon cœur. Les sucreries, c'est tout ce qu'ils aiment, les enfants. Bah oui. À toute la team, Monsieur Coroy. On est en urgence contre Chabrier et Paquito. Il nous faut les meilleurs produits au meilleur prix. Tommy, si mes calculs sont bons, tu devrais avoir les parents en visu dans 5. 4, 3, 2, 1. Tommy, c'est bon, t'as réussi? Super, Tommy. Pardon, monsieur, pourriez-vous m'attraper le jus de pomme qui est là-haut, s'il vous plaît? Merci, monsieur, merci. Changement de produit, c'est bon. T'es trop fort, Alex. Tu vois ce que je t'avais dit? Quand on prend les bons produits, on peut pas se rater. Mission Corail réussie! Chez Corail, choisir les bons produits, c'est un jeu d'enfant.
On est de retour au stade Nouma Dele, cette deuxième période à venir, John, avec donc la SK qui peut-être a fait le plus dur, peut-être pas, on le verra sur cette seconde période. Mais en tout cas, la SK qui a ouvert le score grâce à Jean-Paul Aoudra. Et on a vu une première mi-temps assez intéressante. Intéressante, équilibrée des deux côtés. Hein. Que ce soit pour Poindimier ou pour Cougnet. Moi, ce que j'ai remarqué du côté de Cougnet, c'est cette... par rapport à la semaine dernière, donc cette alternance entre les deux défenseurs, Wemama et Vincent Vaquier, qui alternaient bien, des fois trop, qui descendaient trop avec Vincent Vaquier qu'on a vu. Et un 6. Un 6 qui crée vraiment la transmission, qui fait vraiment... Bon, ben on reprend l'antenne. Allez, ouais, on est de retour. Au stade Nouma Dele, je ne sais pas si vous nous avez attendu sur la première prise d'antenne, reprise d'antenne. Donc on disait bien effectivement que bien la SK avait peut-être fait le plus dur en ouvrant le score, mais voilà, tout reste à faire en tout cas dans cette seconde période. On revoit justement toutes les actions et chaudes actions de cette première période avec cette frappe-là de François Gorouao, qui est un joueur intéressant dans l'entrejeu, le numéro 10 du Racing, et puis Uchu qui... par deux fois est venu buter sur un bon Julien Doué-Péré. On revoit l'image. Ouais, et ces ralentis encore qui vous sont proposés donc aujourd'hui. Il pousse le ballon encore, c'est, il ferme son angle après de frappe. À nouveau une frappe qui a été contrée et qui revient sur à nouveau Jean-Frémont Uchu. En l'espace de 5 minutes, il avait failli ouvrir le score. Et le voilà, le but de Jean-Paul Aoudra de la tête. Hésite, pardon. Ouais, un peu trop de facilité pour s'élever dans les airs et venir boxer ce ballon de la tête dans les filets. Ça fait 1-0 pour l'AS Cougnet. Et puis dans la foulée, Marvin Vendégou, qui était aussi tout proche de breaker. Le coup franc de Yannick Thiéa qui n'aura rien donné. On en reste donc à 1-0 pour l'AS Cougnet. Le retour des 22 acteurs sur le terrain et sur la belle pelouse du stade Nouma Dele. Avec un temps agréable, John. Oui, un temps agréable, le vent qui vient de se lever, avec peu de chaleur, un terrain assez bien apparemment sur le vent. Au vu de ce qu'on peut constater ici, hein, des tribunes, le terrain pas abîmé du tout, malgré les pluies qu'il y a eu cette semaine. Donc, ça, c'est bien pour les joueurs. Et donc la seconde période à venir, on rappelle la question du jour, SMS 35-20, n'oubliez pas, un maillot de la sélection à gagner et également un bon d'achat Corail de 10 000 francs avec cette question qui vous est proposée aujourd'hui. Quelle équipe a été sacrée championne d'Océanie, je précise bien, en 2019. Envoyez 1 si c'est pour vous l'AS Majata, envoyez 2 si c'est pour vous Yengen Sport. Rappelle également des scores, puisqu'hier on le disait, donc Yengen Sport justement s'est imposé 6-1 dans le derby du Nord face à la JS. Le derby de l'IFU qui a vu cette surprise, puisque Juan Ono a renversé le SNJU, la S Mondor et la S Magenta, le classico d'antan, John, qui n'a pas donné de vainqueur, 2-2, et puis l'Horizon Passo qui a dominé 2-1, le Dumbea FC. Jeu, numéro 13, Pierre Wapaye, pour le Racing Club de Poitiers. Donc voilà. Et un premier changement. Et voilà. Qui a Pierre Wapaye qui est entré en jeu pour le RC Poindimier. À la place de capitaine peut-être, Sagitt. Ouais, on a l'impression qu'il n'est plus sur le terrain, Sagitt. Il s'est blessé tout à l'heure au genou, il s'est fait mal. Il est sorti. Et c'est reparti donc pour cette seconde période entre l'ASK et le RCP. Bien fait là, bien défendu Ricardo Tinconboué. Restez bien avec nous. Aux alentours de 16h20, coup d'envoi 16h30. Le derby entre l'AS Wetch et l'AS Lossy à suivre sur les antennes de l'AFCF TV Web. Ça combine bien, attention, le gardien l'avait complètement... Ah, il l'a pas vu à droite. Il était sorti de ses cages, étrangement, Philippe Pondata. Qui en tout cas on a fait une sacrée première période, Philippe Pondata. Ah bah il a fait des arrêts. Alors. Non, on va sur l'action. À droite complètement, on a le 7. Voilà, qui était scellé. Donc, côté heureux. On parlait
John, de ce temps agréable et le public qui est encore venu en nombre ici au stade Noumadélé pour ce dimanche d'avant-jour férié. Voilà, on vous remercie tous et toutes pour suivre chaque week-end le football calédonien dans son ensemble. Attention, ce bon ballon, ce bon ballon avec Kouchou. Frappe enchaînée, la parade, superbe enchaînement. Ah, il aurait dû la laisser sortir. Ça, il aurait dû la laisser sortir. Ces attaques, ces milieux étaient trop loin. Alors, on voit le ballon qui part. Ils sont tous les deux esselés. Une belle frappe. Croisé. Et là, il allait sortir. Ça fait sans doute. Pierre Wapaye qui, visiblement, est venu dans l'entrejeu. Super ballon. Attention, attention. Ah, c'est malheureux. On aurait dû laisser tous les ballons. Et Uchu a fait un très très bon match, hein, Jean-Frémont Uchu. Et Grosau qui ne s'en sort pas, et on le voit, la tenaille qui s'est resserrée sur l'entrejeu et le petit crochet maintenant de Newere. Ça joue bien du côté de la SK. Rendez-vous, ballon en retrait avec Narcisse Cotoru, ça s'est bien fait ce petit jeu. Le 3 et cette remise. Et ils s'en sortent bien, les nordistes. Et à nouveau, Uchu. Ça repart. Jean-Frémont, Uchu, Jean-Frémont, toujours. Mais ils sont trop loin, ces milieux. Là, il faut venir. Il y a du rythme hein, dans cette partie. On ne pourra pas leur reprocher ça, en tout cas, aux deux formations. Essayer de tenter, de mettre du rythme et d'aller vers l'avant. Oh, c'est bien fait, ça, justement. Oh, le pénalty. Ah, si. Oh, monsieur Pélissier, attention. On va voir ça au ralenti, forcément. Ouais, on va regarder ça au ralenti. On va demander à Ben. Allez, Ben, remets-nous ça. Il y a moyen qu'il lâche un petit ralenti là, sur cette action. On va laisser finir cette action-là. C'est hop, dommage. Et c'est bon. Alors, maintenant, à vitesse réelle, vraiment, on avait l'impression hein, qu'il y avait eu contact sur ce bon ballon. Super ballon. Ah ouais, il y a faute. Ouais, dans son élan, c'est derrière, pas évident. Nous, c'est sûr que maintenant on a les ralentis, donc compliqué parce que. Ouais, un petit pénalty quand même, il arrive derrière. On voit ça tout à l'heure sûrement, mais c'est vrai qu'il lui a. Il est derrière, dans l'élan, il a, sol, ouais, il a balayé la jambe d'appui. Ouais. Ouais, c'est le seul joueur qui est au sol, le joueur de l'île des Pins, il tacle. Ouais, en tout cas, ils s'en sortent bien. Voilà, c'est lui qui fait le relais là. Lui, Daniel, qui fait le relais à chaque fois. Un très bon match, ça permet justement à ces deux attaquants d'avoir de un semer soutien, le danger à chaque fois. Et... Bah, on parle de joueurs box-to-box, on a notre fameux N'Golo Kanté international, mais c'est pour expliquer aux gens qui n'ont pas forcément le jargon football, pas pour tous. Ceux qui suivent tous les week-ends forcément le football. C'est vrai que c'est bon, cette qualité d'un milieu de terrain de très vite être devant, apporter le soutien aux attaques et puis très vite être replacé devant sa défense pour ratisser les ballons. Bah, le meilleur joueur du monde, pour ça c'est N'Golo Kanté. Ah, hein. À son poste, oui, c'est le meilleur joueur. Bon. Mais en tout cas, lui. Pourquoi lui pas sur sa fin de carrière, lui demander de venir jouer en Calédonie. Mais c'est vrai que c'est un qualité qu'il a là, en tout cas ballon. Daniel Doué-Péré, et ça permet en tout cas à Cougnier d'être équilibré John dans ce bloc et dans ses transitions. On bien fait ça ce 1-2 avec Edouard Wena. Ah, ça se bat hein. Vraiment, lâche rien les nordistes, c'est bien. Ils tentent de revenir au score. Bah, ils ont vu les occasions en première mi-temps, ils se sont dit peut-être qu'il y a un coup à jouer. Bah, ils ont raison. Ouais,
Il me semble que c'est pas Pierre Wapay qui est rentré. C'est le 13. C'est... Ouais, mais c'est Adrien Poitier, je crois que je le reconnais de loin. Vu qu'il y a eu des compos un peu modifiés côté Racing. Il faut qu'ils reviennent les milieux là pour aider les défenseurs de. Il me semble bien que c'est Adrien Poitier qui est rentré. Le point d'Imier. Et on le voit là justement. Ah ouais, une grosse faute. Faute qui a été faite sur Théophile Néhéré. Ouais, c'est bien Adrien Poitier qui est rentré. Là, il y a une faute un peu malencontreuse. Il a trop traîné dans son enchaînement technique. Et la Escounier qui, on rappelle, donc a changé d'entraîneur hein, suite aux trois résultats négatifs. Ah, c'est Point d'Imier. Oui, Point d'Imier, pardon. Ok. Donc, après trois... là, on va saluer quand même Patrice Schmidt pour le travail qu'il a accompli du côté du Racing. Et puis, ouais, après, au bout de trois journées, c'est difficile. Ouais. Ah, c'est souvent ça, le football. Non, mais en trois journées, c'est difficile quand même. Oui, et puis il y avait eu cette, ces difficultés visiblement côté Racing durant le confinement pour garder le rythme et la forme. Et on les sent en tout cas bien plus dedans hein, aujourd'hui que ce qu'on avait vu dans le Nord, John, sur la première journée. Oui. Après les changements, ça va. Ou deuxième journée. Il y a toujours des. Quand on fait un changement d'entraîneur comme ça dans tous les clubs, il y a toujours eu de la part des joueurs. Et voilà le public. Une réaction. Le public. Je prends l'exemple de Nantes, là, la réaction qu'ils ont eue, la réaction de Chelsea, la réaction de Paris. De... Après, d'ailleurs, un changement d'entraîneur, ça, il y a toujours eu une effervescence. Centre, prise de balle, et il va falloir suivre, et vous serez beaucoup aussi à suivre en Calédonie, forcément. Le FC Nantes d'Antoine Camboré avec le multiplex qui sera proposé sur Canal Plus demain. Oui. Matin 6h pour le dénouement du championnat de Ligue 1. 6h. Ce matin, c'était l'Espagne. Avec la victoire Madrid. Mais bon, Madrid est toujours là. Hein, avec Ben Zemoura, la frappe. Et donc demain matin, on sera si Lille ou Paris. Paris, un sacré champion. Et surtout si. Si Nantes. Pour notre Antoine Camboré national, si le FC Nantes se sauve. Il faut qu'il gagne et que tous les autres derrière aussi. En fait, on a Reims, Bordeaux, Strasbourg. Oui, et puis il y a des confrontations directes sur, voilà. sur les autres, donc ça risque de, on l'espère, de tourner en la faveur du FC Nantes, mais ils ont, il va falloir gagner. Les jeunes et verts d'ailleurs, les Canaries. Exactement. Avec ce club emblématique, le Racing Point d'Imier, un des plus anciens hein, du territoire. Son président Paul Tellotte que l'on salue. Donc ils ont un nouveau coach depuis la troisième journée, quatrième journée. En tout cas, Alphonse Quadaï a pris le relais pour aujourd'hui. Si les informations sont bonnes. Mais il va falloir se mettre en règle aussi, John, parce qu'il y a des obligations fédérales hein, au niveau des diplômes d'entraîneur sur l'élite calédonienne. On verra, on suivra ça forcément. C'est ça. Allez, retour au jeu. Et en tout cas, le Racing qui reste dans la partie. Et on voit un bloc très étiré là, avec une défense très basse. Ah, il faut monter ce bloc. Côté du capitaine Yannick Thia. Ah, des deux côtés, c'est étiré. Voilà, on voit Adrien Poitier là qui rappelle Goro Atou qui est pour se recentrer niveau axial. On laisse bien hein, ces deux récupérateurs et puis un peu plus haut Goro, mais Goro. Adrien Poitier est vraiment venu dans notre jeu. Ah oui, il est venu vraiment apporter un soutien. Et les deux Uchu sur les côtés devant avec en pointe Poidoui.
Ouais, il va amener sa justesse technique et sa vision de jeu, cœur du jeu, Poitiers, sur ses dernières minutes. Ça passe avec François Gros-Wao. Et voilà, Poitiers, justement, bien fait. Et les deux récupérateurs, justement, on en parlait. Après, c'est important, John, justement, sur quand on joue à deux, on récupère comme ça, de garder ses distances, mais pas de se marcher dessus non plus. Ça, garder ses distances, faire attention au déplacement de son partenaire, savoir s'il sort. S'il sort, moi, je reste plus en retrait. S'il reste en retrait, si je peux sortir, prendre toutes les informations possibles pour que bah, cette complicité serve à l'équipe et on puisse gêner l'équipe adverse. Ouais, faire ce pistonnage aussi, voilà. Voilà, comme là, là où Gros-Wao doit serrer un peu dans l'axe. Là, c'est récupérer ce ballon avec un ballon là-bas côté ouais, droit. Ouais, c'est récupéré par la SK. Quel geste! Il nous fait encore Roberto Neuriri. Et un bon ballon derrière, mais bien fait de la part du gardien. C'est bien ce qu'il a fait là, Melvin Chevalier. Après, il faut qu'il contrôle. Faut savoir, ouais. On va revoir ce geste. Petite roulette enchaînée avec. Le ballon qui passe derrière la jambe d'appui, magnifique. Ouais, des et le corner, allez, corner. Faut pousser côté point d'Imier. De la part des latéraux, comme ça, quand ils sortent très haut, le mieux, c'est contrôler, pas chercher à récupérer le ballon. Non, on essaie de contrôler l'adversaire pour que mes partenaires viennent après m'aider. C'est de coincer le joueur ou pousser le joueur à la faute. Mais là, il a essayé de récupérer le ballon. Il ne le récupère pas, tant mieux s'il le récupère, mais s'il ne le récupère pas, derrière c'est un boulevard, c'est ce qui s'est passé. Après, c'est la justesse technique de l'attaquant de Cougné qui est... Voilà, attention à corner, attention. Avec Uchiu, ou bien fait ça dommage, et dégagement attention. De Vaquet, le attention, contre et le contre avec Marvin Vendégou. Marvin Vendégou, bien fait, il va attendre le dédoublement là-bas. Ah, quand même, ouais. Elle arrive de loin. Ouais, elle arrive là. Il est arrivé lancé, comme on dit. Ah, c'est dommage qu'il ait... ouais, il a... voilà, il s'en veut. Ah, il a tué deux joueurs. La fatigue aussi. Il y a Aouja qui a fait une course de fou pour venir le soutenir. Et il a choisi de... le joueur qui a 60 mètres. C'est bien. Il aurait appuyé sa passe, parce que ça aurait été. Allez, c'est reparti pour l'ASK et Théophile Néwéré. Avec toujours cette récupération haute de Théophile Néwéré. Ouais, ils sont hauts les. Et comme tu disais, Louis-Daniel Doué-Péré qui est vraiment le rabatteur de ballon derrière et qui compense les vides et les espaces, c'est intéressant. Avec des latéraux, John, un peu plus en place hein, quand même que exactement, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Oui. Ça a dû être travaillé certainement avec la. En tout cas, on voit replay une équipe, des matchs. Voilà, on voit une équipe de Point d'Imier qui s'ajoute. De Point d'Imier aussi, hein, en tout cas. Mais Cougné qui s'ajuste petit à petit, comme eux ils sont là, on voit le public hein, qui est en masse ici hein, à Noumadélé. Mais la Cougné, fête est au rendez-vous. Cougné qui aspire en tout cas ils espèrent être dans le trio ou le quatuor de tête. Au sortir de cette dixième journée, voilà les supporters. C'est Seigneau. Couvert parce qu'il commence à faire un petit peu frisquette. Ça commence, le vent il s'est levé. C'est pas chaud d'après-midi. Hein. Néwéré, second poteau là-bas, la volée, c'était bien fait. Avec l'illusion d'optique, on a cru que c'était cadré, mais pas du tout. Mais c'était bien tenté de la part de, voilà, on le voit, Arnaud Wemama. Ah, un changement du côté de l'île des Pins, avec peut-être les rentrées de Takamatsu et Tikouré. C'est Narcisse Cotereux, je crois qu'il va sortir. Sortie de Narcisse Cotereux. Voilà. Numéro 7. Et de Néoré Théophile. Et entrée de Kevin Takamatsu, numéro 15. Et de Pierre Tikouré, numéro 8 pour l'AS Cougné. Ah, un peu de fraîcheur, c'est vrai qu'ils font beaucoup de courses avec les deux attaquants qui étirent Ouais. Et puis, depuis le début de saison, hein, ils ont enchaîné les matchs aussi. Ouais. On le disait, John, sixième week-end de compétition. Ce duo qui est très mobile,
beaucoup de mouvements, beaucoup de courses en profondeur, beaucoup de solutions apportées à leurs coéquipiers. Et forcément, au bout d'un moment, ça tire. Ouais, un ça peu. Tire. Puis avec une saison qui a commencé avec le Covid-19, où ça a saccadé la préparation. On va voir que là, ce sera peut-être la. On va suivre cette action avec encore Francis Quadri. Il avait un plan du champ pour aller. Peut-être là où John, on va avoir le contre-coup aussi physiquement pour certains, où on va rentrer dans cette phase, cycle un peu de régénération qu'il va falloir avoir au niveau des organismes. Super ballon. Ouais, attention, ça traîne aux abords de la surface. La frappe magnifique c'était bien tenté de la part d'Edouard Wena. Là, comparé à la semaine dernière, le ballon il freine. Là. La dernière, ça fusait, là, avec la chaleur. Le ballon, dès qu'il touche le sol, il ralentit. Hein. Mais je trouve vraiment Poindimi bien mieux physiquement. Et intéressante sur offensivement par voilà après maintenant faut travailler comme travailler, faut répéter les mêmes gestes, la régularité, la régularité, les replacements, les courses, voilà, et les transmissions aussi, mais on sent que c'est une équipe qui a de quoi progresser et... bah, après il va falloir aller chercher ses points, c'est ça le du Racing pour obtenir ce maintien. Mais déjà, s'ils arrivent à réduire ça au niveau des buts encaissés, c'est de 13, de passer à 4, et là, un seul but. Ouais, trouver cette solidité défensive, ce socle qui va leur permettre d'exploiter devant leurs qualités, les qualités qu'ils ont vraiment. Ouais. Qu'ils aillent doucement, d'avoir travaillé sur cet aspect défensif-là, à réduire au maximum le nombre de buts encaissés, et puis après petit à petit ça va donner de la confiance après à progresser vers l'avant, et puis il dit de marquer, hein, pas obligé d'avoir des attaquants pour marquer. Allez, long ballon avec Couchou. Ils font un bon match les deux Couchou là, Jean Frémont et Philibert. Contrôle aérien, mais finalement bien rattrapé. On a vu cette faute donc avec ce coup franc à venir. Intéressant là, faut chercher juste devant le gardien fort, certainement entre le point de pénalty et le gardien. Ah. Belle intervention. Et donc à venir, ce choc, ce beau derby attendu entre eux. Let's see it. Allez, c'est vrai que. Ouais. Allez, c'est derby entre les districts du sud et du nord. Wetchell aussi. Elle aussi qui reste sur une belle dynamique. Deux victoires. Après avoir essuyé deux échecs, deux défaites. Moi, Dimi, ils sont en place, mais c'est après sur la réaction. Quand ils ont le ballon ou quand ils n'ont pas le ballon. À quel moment il faut qu'ils bougent, qu'ils se déplacent. La justesse là, de déplacement. Mais sinon, au niveau du bloc, ils occupent bien l'espace. Après, quand il faut coulisser, il faut qu'ils les appellent. Lui aussi qui reste sur 3 victoires. C'est 3 victoires. Faut qu'ils enchaînent. Ils vont tenter la première, c'est Juan Nono, je crois. Non, ils avaient justement. C'était incliné lourdement 3-0 contre Nono, Kenji Vendégo à l'image. Ouais. Et ils avaient réagi ensuite côté de La Roche, à Marais face à c'est ça, c'est La Roche. Et
on voit donc Kenji Vendegou qui donne les consignes pour l'instant. Bah, qui n'est pas à l'abri avec son 1-0, vu que là, on n'a pas vu l'AS Cugnet inquiéter réellement le portier du RC Pointe-Imier depuis cette deuxième mi-temps. On joue depuis 1h07, 21 minutes depuis la seconde période. Et voilà le premier corner, peut-être qu'il va être dangereux pour cette équipe. On s'approche tout doucement des 20 dernières minutes de jeu. On voit Audra Aoudja qui fait un petit slalom là et il obtient un coup de pied de coin. Lève le bras, ça va être rentrant, à savoir maintenant cette combinaison au premier ou second poteau, ça sera au second poteau vers Vaquier. Voilà. Pris en tenaille. Sorti. Ah. Ah, c'est ce que je disais, ils quadrillent bien le terrain, mais c'est après. Là, ils sont 3. Les autres, voilà. Ils... Oh, quand même. À 3 contre 5, ils ont réussi à faire à être dangereux. Mais ils sont trop loin, les milieux. C'est ça, ils sont bien en place défensivement. Superbe centre. Ouais. Et dommage qu'il n'ait pas pu rabattre ce ballon, là, John. Dommage. Il faudrait qu'il y ait un petit joueur qui crée cette liaison avec ses deux attaquants et le milieu, il s'appelle Gros Waouh. Ils sont à chaque fois tous les trois, ils arrivent à se trouver, mais il faudra un quatrième. Ça passe peut-être pour... L'ASK, le nouvel entrant, Kevin Takamatsu. Et ça revient finalement vers le nouveau capitaine Yannick Thia qui a hérité du brassard. Crochet. Pierre Ticouré. Certainement une longue touche. Il hésite. Voilà, finalement une touche. Malgré tout, on cherche la surface. Ah, il y a énormément de combinaisons aussi à faire sur les touches de plus en plus. On voit d'ailleurs dans le jeu et style de jeu anglo-saxon de John, notamment quand on affronte la Nouvelle-Zélande en sélection ou en Ligue des Champions pour les clubs. On va suivre cette action avec une frappe écrasée. Finalement, ça revient. Un peu par chance. Il a décidé de prendre son pied droit. Sur le point de pénalty. Il était au point de pénalty. Pierre Ticouré. Et on revoit avec cette frappe écrasée. Il a. Il faut prendre le pied gauche peut-être là. Il a décidé de prendre le pied droit. Attention. Pas la bonne surface. Ça... Attention. Parce que ça repart de l'autre côté. Avec, c'est malheureux. Il fait ça. Encore Vaquier. Il pousse son ballon sur le défenseur. Au lieu d'aller sur l'espace inoccupé. On va le revoir sur le ralenti. Enfin, je demande l'autorisation à Ben. Sur l'action juste avant. Là, voilà. Le contrôle. Au lieu de contrôler dans l'espace inoccupé, il contrôle sur l'espace qui va être occupé par le défenseur. Ça, le... Un contrôle, c'est un... orienter le ballon là où il n'y a pas d'adversaire. Si on l'oriente là où il y a l'adversaire, et bien après, le... difficile. Après, notre angle de passe ou de frappe, il est restreint. Il se restreint de plus en plus. Donc, pensez à toujours là, orienter son ballon vers l'espace inoccupé. Niouéré, bien vu, Là, faut lui parler.
En train de regarder un peu le ce que je vois des gens arriver au stade. Là, encore c'est Wedge qui et le stade qui est la tribune qui est bien remplie vraiment. Là, voilà, avec l'animation faite et mise en place par la fédération, ça offre un beau spectacle aux amateurs et amatrices de ballon rond. Ouais, que ça soit donc au stade comme sur les écrans web. Et on en est ravis. Alors en tout cas, pour l'instant, eh bien, toujours 1-0 pour Cougnier. La frappe directement dans le mur. Allez, le chrono qui tourne, John. Et il reste... Ouais, un peu moins de 20 minutes. Intervention. Voilà, il faut vite qu'ils viennent les milieux. Plus vite, plus vite. Les milieux d'hier, c'est pas digne, c'est trop loin. Néwéré. Faute et le Racing donc qui court toujours après ce petit but. Ouais. Une faute. Pour l'instant, ah ouais, pour l'instant, John est bien Cougnier. Actuellement second du championnat. Du championnat. Avec un match en plus. Sur Tiga. Sur Tiga. Et sur Nejiu également. Donc l'entrée du numéro 14. Émile Gorodit. Changement pour Poindigné. Entrée en jeu du numéro 14. Émile Gorodit. C'est bien le bon nom cette fois-ci. Très lointain, on va chercher dans la boîte, c'est bien tiré, intervention encore de Vincent Vaquier. On peut saluer tout le travail mis en place par ce club de Cougnier, John. Il faut rappeler quand même que cette formation de l'île des Pins est en déplacement hein, tous les week-ends sur chaque journée. Hein, déplacement puisque le stade à l'île des Pins n'est pas homologué pour la Super League. Que donc sur les matchs qu'ils accueillent, les joueurs de l'ASCA, c'est du côté de Mouma Dele. Celle-là fait vite, on va partir comme une flèche là. Oui, ouais, à l'opposé, Néwéré. Ah, oui, bien fait, dommage. L'avait vu. Hein. Déjà. Ah, mais du coup là il était reparti dans le sens inverse Roberto Néwéré. Et on est rentré dans le dernier quart d'heure. On va rappeler aussi quelques scores en Super League Futsal, parce que ça jouait hier. En Super League Futsal, l'UNC qui s'est imposé 4-3 face à Zéolil. Bouirou qui a été défait par la JS Tchapout dans le duel de promu, 7-5. Olympique a fait forte impression en dominant 7-1 le SC Nejiu Futsal. On va suivre quand même cette belle action avec pourquoi pas. Non ah, c'est trop peu de sens. Ouf. Tout l'espace était à gauche, il y avait tout le monde à gauche. Ça, c'est après, on va... c'est aussi la fatigue peut-être, oui, manque de lucidité. On revoit un quart d'heure de jeu. Voilà, cette action-là a bien été menée. On voit que c'est au milieu. Il est intéressant quand même, hein, Francis Poidouy, mais là, c'est vrai qu'il a... Il a... Hop, hop, c'est ce ballon-là. À gauche, il aurait dû là-bas aller décaler sur le côté gauche. Il a favorisé le jeu du côté... il avait cette facilité avec son pied droit. Après, ça peut être aussi une feinte au niveau de la prise d'orientation du ballon. Et, Ouais, mais
à ce moment-là, en fait, dans ce cas de figure-là, toute la défense adverse s'est regroupée à droite. Donc, on avait moins de défenseurs à gauche. Donc, le jeu aurait été, vu qu'ils ont, ils ont essayé de créer un décalage sur un côté. Donc, ils ont fait une combinaison. Cette combinaison, donc, quand elle a été réalisée, elle a été bien faite. Après, il faut changer. Il faut aller chercher là où, justement, cette espèce, il a été créé de l'autre côté. Et ah, c'est bien joué aussi, hein. De Brian Loué-Péré. Numéro 16. De Pougnier qui rentre, donc. Et changement pour Alex Pougnier. Avec l'entrée du numéro 16, Brian Loué-Péré. Sur le côté droit, à la place de Martin Cotereux. Ouais, ça doit être ça. Poste pour poste. Pour finir sur le futsal, donc les autres résultats, donc l'Olympique, je disais, 7 buts à 1. Également 7 buts à 1, une victoire pour la SPTT face à la Espaïta. Et le SCO Quartier Nord qui a dominé 4 buts à 2. Le FC Ferrand, la SPTT, en position en tête de ce classement, suivi de l'Olympique futsal à 9 points, de Wetch et l'Université également à 9 points. Et John, pour finir là-dessus, le prochain cahier de foot, il y aura un sujet sur les deux promus, Bouirou et JS Chaput, avec les images du match également. Donc là, on voit Oudja qui... Ah, dommage. On va aller chercher à nouveau. Ouais. Ouais, c'est toujours là, avant de... Bien fait, ouais, le retour là, superbe. Là. Attention, parce que Pondimier, ils sont en place. Pondimier, ils sont en place, ils sont étirés, Cougnier. Voilà. On a ces deux lignes là, Cougnier, avec les attaquants. Et les... Ah oui, et lui, ils sont pour, il en profite bien. Il a, attention, le gardien. La frappe, oh, bien, il a essayé de la frapper, mais un petit lob. Il n'y a pas de corner là. Non, il a dévissé. Ah, il a dévissé. Je croyais que ça avait été dévié. On revoit cette belle action. Et Outiou là qui avait encore une fois une belle opportunité. Faut trouver ce cadre maintenant. Il n'y en aura pas 100 000 non plus des occasions, hein, John, parce qu'il reste peu de temps. Attention. Une minute à peine. Oh, attention, ils se sont fait peur. En tout cas, les deux joueurs qui sont rentrés chez Pondimier, ils ont apporté un peu de sérénité. Oh là là, à l'opposé. Il est en retard, c'est bien fait. Ah, le contrôle. Heureusement, ah, Néwere qui est le penalty. Ouais. Roberto Néwere, victime du mauvais placement du latéral. Tancon Boué qui est obligé de venir couper la course, ouais, de Francis Poidouy. On l'a vu venir de loin. Il est Ricardo Tancon. Mais c'est une belle passe, voilà. Il n'a pas eu le temps de côté revenir. Côté gauche, cette passe là, elle est voilà, super. Mais à l'opposé, ouais, on est en retard, ouais, et on voit ce retard pris. Il est tout seul, Vaquier. Son latéral gauche. Oula, il a marché dessus en retombant. Ouais, si on peut revoir l'action, Ben, dès le départ, parce que on a cette couverture à l'opposé qui est mal assurée, John, et malheureusement, devant les yeux du public. Le ballon est d'un côté, normalement, la couverture à gauche, si le ballon était à droite, la couverture à gauche, elle doit être présente. Alors on a vu, c'était à contre-temps, et du coup, bah, il a été malin, Francis Poidouy. Il a pris l'espace, et c'est maintenant Adrien Poitier qui va s'élancer pour l'égalisation devant les 1500 personnes présentes aujourd'hui. Allez, on va dire 1000 quand même, restez... dans le bon chiffre, avec forcément les supporters du Racing qui espèrent un pénalty gagnant. Et c'est pas, et ça voilà. Passe. C'est passé pour Adrien Poitier. Et ça fait un but partout. Poidouy qui est complètement à l'agonie. Là, il reste 10 minutes de jeu. 13, Pierre Wapaye. Pierre Wapaye. Peut-être à refaire. Ouais, c'est.
c'est Poitiers. C'est qu'au niveau de la feuille de match, il y avait, et c'est bien Adrien Poitiers. Ça va partir, ils sont à 10 points d'Ibier. Par contre là, soit il faut faire un changement, soit il faut faire quelque chose. Ouais. C'est au sol, Francis Padouille. Et ça fait un but partout, en tout cas John. Suspense dans cette rencontre. Et ils aiment bien se mettre en difficulté. La SK. Ouais. Ils ont la force mentale pour aller chercher cette victoire. On l'espère pour eux en tout cas. Mais point d'Ibier aussi qui. Point d'Ibier qui s'est bien remis en place là, qui a sur la deuxième mi-temps. Là. Enfin, la première, on l'oublie un peu. Deuxième mi-temps, il se sent vraiment. Ah bah, il est vraiment mal en point, Padouille, sur le côté, là, qui arrive en boitant. C'est deux équipes qui ont du cœur, hein, John, qui mettent du cœur à l'ouvrage, comme on dit, qui mettent le bleu de chauffe. Et, voilà, on ne peut pas leur reprocher ça, et c'est vraiment, on peut saluer l'état d'esprit des deux formations. Après, c'est les détails, comme tu disais, comme tu le répètes souvent, hein, John. Attention. Il y a des placements notamment. Ouh, superbe. Voilà. Et en tout cas, il n'y a toujours pas de vainqueur du coup qui se dessine. Ça va être leur premier nul. Ah mais il reste 10 minutes. Ça, 10 minutes on va dire avec le temps additionnel. Attention, ouais, une grosse faute devant l'arbitre. Ouais. Ah mais il repart, produit. Ça y est. Un but partout donc. On voit cette faute juste devant Monsieur Pélissier. Après. Voilà, quand on parle de mettre du cœur à l'ouvrage, ben, il y en avait un peu trop du coup là. Et ça offre un coup franc lointain. Allez, bon. L'équipe de l'île des Pins. Attention, hein, les joueurs qui boitent comme ça, après quand ils vont partir, ça va être des mobilettes, ça va être de... C'est un peu long là, l'intervention. Attention. De. Le pont data. Est-ce qu'il va le demander le ballon? Il faut allonger. Et il l'a demandé. Et voilà. Et heureusement, il y a la couverture de Wemama. Ouais. On a bien fait ça. Il faut continuer. Il faut ouvrir l'aérer le jeu. Attention. Voilà qui est fait avec Aoudja. Ah, il cherchait au second poteau. Ouais. Personne n'a plongé. Prenne le temps. C'est bien. Ils se sont réajustés au niveau de ces déplacements-là. Défensifs. Point d'Ibier. Plus de cadrer que d'essayer de récupérer le ballon. C'est là, ce ballon-là. Ballon par-dessus la défense, Aoudja. Vendégou maintenant, Vendégou. Ouh, attention, que va prendre comme décision Monsieur Pélissier. Ouh là, il indique penalty. Je pense qu'ils ont communiqué là, l'arbitre assistant, l'arbitre central. Et, il y a eu un contact. Alors on va revoir ça au ralenti. Il était bien placé. Ouais. Et on voit d'ailleurs Vendégou qui reste au sol. C'est un peu loin. On était un peu loin de l'action. On va revoir un ralenti avec. Déjà, il y a une faute là. Vendégou, le petit coup du sombrero. Ah oui, bah, il lui prend la jambe, effectivement. Ouais. Et donc l'occasion va être énorme pour Cougnier de reprendre l'avantage. À 5 minutes de la fin. Il reste 4 minutes dans le temps additionnel, dans le temps réglementaire, pardon. Il y aura du temps additionnel et pénalty à venir. C'est l'ancien Pierre Ticouré qui va s'en charger avec son expérience. Ticouré face à Doué Perret. Pour le but. Ou pas, du 2-1. C'est parti pour Ticouré. La frappe. Et ça passe. Ticouré qui redonne l'avantage au sien et à la Escogné. Ça fait 2-1. John, il reste. Un peu moins de 5 minutes. Eh oui.
Mais il va falloir tout donner maintenant. Pour le Racing. Il faut y croire, il faut y croire, mais en tout cas, Ticouré, il n'a pas tremblé. Alors qu'un changement imminent côté. Racing, Joseph Garatu qui rentre à la place de Melvin Chevalier. Changement pour le Racing Club de Pointe-Limé avec l'entrée du numéro 15 de Joseph Garatu. Ça repart, allez. Qu'ils y croient. Il y aura peut-être une ou deux opportunités côté jaune et vert. Et la SK qui doit maintenant gérer ce score et tenir. Ou pourquoi pas, même aller se libérer définitivement et inscrire sur le troisième but. Ce petit pont. Ouh là là. Oh, y a un enchaînement de mauvais gestes techniques. Dommage. La frappe. Ah, ça y est. Trop enlevée. Sans la fatigue des deux côtés. Ah, ils ont tout donné. Pour l'instant, ça sourit à la SK. Ah non, signalé par Monsieur Brial. Dans le temps additionnel. Ah, c'est malheureux, ils ont 5 minutes seulement ouais. Après leur égalisation. Racing qui a encaissé ce second but. Merci. Il pourrait enchaîner une cinquième défaite là. Les nordistes. Et 2-1. Mais en tout cas, c'est très encourageant sur ce qu'on a vu par rapport à leur première prestation de la saison. Ouais. Une bonne évolution. Et quand même, l'apport de Poitiers était vraiment, vraiment intéressant pour cette équipe de Pointe-Limier. Oui, c'est le capitaine emblématique aussi, un des capitaines emblématiques du Racing. L'entrée de Jordan Doué-Péré, la sortie de Marvin Vandégou qui a été décisif avec ce pénalty obtenu notamment de John. Ouais. Bon, ballon là-bas, ouverture de Wena. On est rentré dans les arrêts de jeu. Temps additionnel. Ça va être dur. Ouais, je pense qu'il faut les tirer les points positifs de ce match là pour Pointe-Limier. Il y a des défaites constructives comme exactement. On dit. Mais il y a encore peut-être, pourquoi pas, au moins une opportunité pour Pointe-Limier.
Voilà, il faut mettre dans la boîte maintenant, il faut aller mettre le danger dans les 16-50. On voit cette faute de Ticouré, le deuxième buteur. C'est le premier match où le score est serré comme ça. On a toujours eu des scores fleuves et là, 2-1, c'est positif. On va continuer de travailler après. Cette dernière action, je pense. Ouais, il faut qu'ils aillent tous dedans là. Allez. Regardez, on voit à l'écran. C'est quelle équipe là qui, la semaine dernière, je crois que le gardien qui marque à 1-1, il monte sur corner. Le gardien Liverpool. Liverpool. Voilà. Ah, le problème, c'est qu'ils sont 4 dans l'axe. Il faut y aller là. Il n'y a plus rien à perdre. Oui, ils sont à plus 25 désormais, débutants qui sont. Allez, tous. Allez, mets dans la boîte, c'est bien fait. Vaquier encore là. Et on se dégage côté Cougny. Allez, on est au. Second ballon, c'est bien. On renverse le jeu, dommage, c'est mal fait. Voilà, c'est terminé, je crois. Il va siffler au dégagement. Il va siffler avant. Ouais, là, dans le dégagement. Et ouais. Voilà. Monsieur Pélissier qui renvoie les deux formations en vestiaire et cette victoire importante de l'AS Cougny qui repasse second au classement. Victoire de Buzan, John de Cougny à l'arraché, on va dire, sur cette fin de match avec ce deuxième but inscrit sur pénalty. Sur pénalty, oui. Et puis on a vu deux équipes quand même qui ont alterné. Hein. Une équipe qui prenait le dessus à chaque fois sur l'autre durant tout ce match. Et puis après, sur le sprint final, Cougny qui arrache la victoire. Mais c'est clair qu'on a eu un équilibre entre ces deux équipes dans le jeu. Et puis tu le disais, le Racing qui reste lanterne rouge. Avec 5 défaites au compteur sur 5 matchs, mais le Racing qui pourra s'appuyer aussi sur cette prestation plus aboutie et plus constructive pour la suite. Il y a une évolution en tout cas, c'est ça qui est bien, c'est de voir l'évolution et le potentiel qu'il peut y avoir sur les jours à venir. Allez, on se quitte un petit peu, parce qu'on va très vite revenir pour le second match du jour diffusé en direct sur la FCF TV Web. À venir, Wetch Lossi, restez bien avec nous, à tout à l'heure.